Guingamp accueille Orléans, deux formations qui n'ont toujours pas réussi à gagner depuis le début de la saison. Pire pour Orléans, il n'y a toujours pas eu de but inscrit. Les Guingampais détiennent eux la pire défense depuis le début de la saison. 5 buts encaissés sur les deux premières rencontres. La partie est donc assez incertaine. Mais à domicile, logiquement, les Bretons sont les premiers à attaquer. Avec cette balle intéressante sur le côté. Le centre et la reprise de la tête de Ronny Rodelin. Une très jolie action conclue par Rodelin pour son premier but de la saison. Il est idéalement servi par Brian Pelé. Rodelin, qui n'avait pas marqué le moindre but en 17 matchs de Ligue 1 Conforama avec Guingamp la saison dernière. Il débute beaucoup mieux cette saison-là. Il avait déjà marqué dans ce championnat 5 buts avec Nantes en 2010-2011. Rodelin prend donc de la confiance et Guingamp respire. Les Bretons continuent à avoir de bonnes actions. Nouvelle énorme opportunité pour en avant avec Brian Pelé qui décide de frapper. C'est sauvé par Jérémy Vachou, le gardien d'Orléans. Pelé qui pouvait marquer, qui pouvait aussi passer à son coéquipier sur la gauche. De bonnes actions pour les joueurs de Patrice Lair. Mais Guingamp n'est toujours pas à l'abri en seconde période. On retrouve encore les Guingampais à l'attaque et Orléans a du mal à s'en sortir. Les deux équipes se retrouveront quelques jours plus tard au premier tour de la Coupe de la Ligue BKT. Ce sera le même match mais joué sur le terrain d'Orléans. Mais pour ce match de championnat, c'est bien Guingamp qui s'impose. Victoire de l'équipe bretonne, la première de la saison. 1-0 contre Orléans.